Oui. Je t'interromps 2 minutes puisque Jean-Baptiste est là. Ah, ben écoute, ben Jean-Baptiste, je suis ravi de te retrouver. Ben on va peut-être reprendre après, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Je suis ravi, évidemment, Jean-Baptiste, de t'accueillir. Je vais reprendre la main sur la vidéo. Est-ce que Jean-Baptiste est visible? Alors, le son est Est-ce que vous activé, la voyez? vidéo. Non, voilà. CHP, Jean-Baptiste? C'est ça. Ouais, c'est HP, ouais. Je suis désolé, j'ai des gros problèmes de connexion satellite. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. J'ai Alors, on réussi plus t'entend, ou moins à rétablir. on t'entend, Ouais. Jean-Baptiste, on t'entend, mais on ne te voit pas. Alors, ouais, parce qu'il m'est démarré la vidéo. Là, vous me voyez ou pas? Oui, ça y Vous me est. voyez là? Parfait. Ok. Alors, attends, je vais Bon. afficher intervenant. Alors, tu peux parler si tu veux bien, Jean-Baptiste. Donc d'abord, je m'excuse pour ces problèmes de connexion. Si jamais j'ai encore un problème de bande passante, je couperai la vidéo. Vous aurez que le son. D'accord. Hein, je suis désolé. C'est bon, c'est Bah, parfait. j'ai entendu une partie de l'exposé de mon ancien professeur de sciences politiques, Bruno Vica, qui était tout à fait parfait. Je ne sais pas ce que je peux rajouter derrière, parce que du point de vue historique, bon, bah, le tableau est là, hein. L'Ukraine, c'est une zone frontière disputée. D'ailleurs, en russe, Ukraine, en slave, ça veut dire frontière ou lim. On retrouve ça dans les Kraïnas, par exemple, c'est le même mot que Kraïna en ex-Yougoslavie, où il y avait ces zones frontières. Ce qui est frappant, en fait, c'est que c'est un pays qui était à la fois très russifié, très soviétisé. Moi, la première fois, une des premières fois où j'y étais, c'était quand Gorbatchev a organisé son référendum pour le maintien de l'Union. Référendum qui a été boycotté par les Lituaniens, les Azéris, les Moldaves, etc. Les Ukrainiens ont participé et ont voté pour le maintien de l'Union. La dernière fois là, que j'y étais, j'ai rencontré des gars de 25 ans, je leur ai expliqué que leurs parents, ils avaient voté pour ça, pour le maintien de l'Union. Bon, il y a eu un changement en une génération, en moins d'une génération, absolument fulgurant, quoi. C'est-à-dire une désoviétisation, une dérussification. Sur ce point, je vous renvoie à un livre qui est extrêmement mauvais, bon à la fois, c'est celui de Hélène Carrère-Dancor, ce qui est bien connu, qui s'appelle L'Empire éclaté, où elle annonçait en fait l'éclatement de l'Empire, mais elle l'annonçait par la démographie galopante en Asie centrale. Elle disait que c'est ça qu'elle allait faire. Alors, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Mais dans ce livre, il y a une étude république par république de la russification qui est très intéressante parce que sous la soviétisation, il y avait aussi une russification. Donc cette république était très diverse. Quand on regardait les cartes électorales, on voyait par exemple toute la moitié est et sud qui votait pour ce qu'on appelle le Parti des régions, qui était un parti pro-russe, et toute la partie centre, ouest, enfin, qui votait pour des partis beaucoup plus nationalistes. Et maintenant, en fait, le résultat du conflit de 2014 et celui d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça a mis tous les Ukrainiens d'accord, même les soi-disant pro-russes, contre non pas la Russie, mais contre Poutine. Et il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a dit on a essayé de persuader depuis 2014 que ce n'était pas une bonne idée de s'unir à la Russie. Et dès le premier jour de bombardement de 2020, tous les pro-russes sont devenus pro-ukrainiens. Donc Poutine, en fait, en prenant la Crimée, a perdu l'Ukraine déjà. Et là, en l'attaquant, l'a complètement. Enfin, c'est la rupture totale. Alors que c'est un pays qui.
notamment suite à ce que Bruno a expliqué, hein, il y a eu quand même une élimination de la paysannerie, enfin, toute une politique de soviétisation, d'industrialisation, qui avait fait vraiment. D'ailleurs, ça explique ce que fait Poutine. Ça ne le justifie pas, mais ça l'explique. Parce que pour lui, il est resté dans le schéma russo-soviétique où l'Ukraine est forcément quelque chose à la fois une excroissance historique et quelque chose de forcément russe, quoi, quelque part, quoi. Voilà. C'est pas, je préférerais peut-être répondre, si vous avez des questions, aussi bien du point de vue politique que militaire. Moi, ce que pour vous résumer, donc moi j'étais en Ukraine, donc sous l'Union soviétique, donc pour ce référendum, j'y suis retourné pendant l'indépendance. Il y a eu une première crise des frontières déjà, où en fait elles ont été contestées dès le premier jour par l'équipe Eltsine. J'étais en Crimée après, parce que dès le début, il y a eu des velléités d'indépendance soutenues par les services russes de la Crimée. Et en fait, la pause qu'il y a eu, c'est principalement dû à la guerre de Tchétchénie, où les Russes ont été très, très occupés à maintenir en fait leur propre pays, l'unité de leur propre pays, et n'avaient autre chose à faire que s'occuper de l'Ukraine. Maintenant, on passe au un plat qui, en fait, était déjà cuisiné depuis 90. Hein. Alors, si tu veux bien, Jean-Baptiste, donc merci de nous avoir rejoints et donc très heureux qu'on se retrouve de cette façon-là, mais on n'a pas fini, surtout si tu as d'autres choix Alors, comme je le rappelais tout à l'heure, dès ta sortie de l'ESJ, tu as commencé à te balader sur à peu près tous les points. De conflits à la périphérie de ce qui était l'Union soviétique quand nous étions à l'ESJ et qui a disparu, si l'on peut dire, sous nos yeux et quasiment en direct, chacun dans nos positions respectives, donc toujours rue Gautier de Châtillon, là où se trouve l'école de journalisme de Lille. Donc, tu as toujours été correspondant de guerre, et si j'ai pensé à toi, c'était en partie, au-delà évidemment du caractère conjoncturel de ce conflit russo-ukrainien, dont tu parleras bien entendu largement, j'ai envie qu'on aborde, parce que tous les profs d'histoire géo ne sont pas forcément familiers du monde de la presse, que ce soit les correspondants de la presse audiovisuelle ou, en ce qui te concerne, les journalistes de presse écrite. Tu as commencé les premiers articles que j'ai pu lire de toi concernaient les Gagaouzes en Moldavie. Et puis ensuite, tu as fait ton chemin sur tous les théâtres d'opération du monde. Alors, j'ai envie qu'on aborde la spécificité de ce métier, c'est-à-dire ce qui amène un étudiant qui aurait pu, tu as fait Sciences Po, etc., hein, ton cursus académique est connu, à choisir finalement d'aller clairement s'exposer au cœur des conflits, puisque on va dire clairement les choses, hein, c'est aussi une activité à risque et on sait bien que les insignes presse sur les gilets pare-balles ne protègent pas toujours. Il y a d'ailleurs un basculement, et nous le savons. Il fut un temps où être journaliste assurait un statut protégé, c'était notamment pendant la première guerre du Golfe, parfois un statut de personnalité qu'on déplaçait sur les théâtres d'opération. C'était au moment de l'opération Tempête du désert avec les services de communication de l'armée américaine qui contrôlaient tout et qui promenaient les journalistes sur les terrains, à des moments où, par exemple, en Afghanistan, où les journalistes devenaient des cibles, ce qu'ils sont devenus également dans la BSS,
c'est-à-dire dans la bande sahélo-saharienne, avec trois journalistes. Nous avons en plus une de nos condisciples, une de tes condisciples en l'occurrence, qui fut une de mes élèves de l'école de journalisme de Lille, à Radio France Internationale, qui a été tuée au moment de l'opération en Afghanistan en 2001. Donc, c'est cet aspect-là sur lequel je pense qu'on va te poser des questions sur les conflits que tu as pu couvrir. Il y a aussi parmi les auditeurs des personnes qui ont un intérêt très particulier à t'écouter parler des relations entre militaires en opération et journalistes sur le terrain. Il y en a quelques-uns qui n'apparaissent pas, évidemment, pour des raisons évidentes, qui sont donc des militaires en activité, qui sont aussi mes étudiants actuels. Et puis, parler, évidemment, de ces questions concernant l'Ukraine. Voilà. Le Evelyne Beau, donc, qui a, comme c'est une femme de pouvoir, les mêmes initiales qu'Elisabeth Borne. Elle n'a pas pu avoir Matignon, mais on lui a proposé la modération de cette visioconférence. Bon, c'est un lot de consolation, mais c'est pas mal quand même. En attendant mieux, regardera les questions et interviendra à tout moment s'il y a des questions écrites. Sinon, nous sommes entre gens de très bonne composition. Vous pouvez activer votre micro, utiliser le bouton lever la main et on interviendra directement. On se fixe un cadre en disant qu'on fermera le micro à 19h45, 19h50, 19h50, en tout cas pour 20h, ça sera une heure, ça sera un moment raisonnable et on pourra aborder différents sujets. Encore une fois, pour les enseignants du second degré, je pense qu'avoir ce contact avec un journaliste qui est sur le terrain, qui a été pendant toute sa carrière en fait sur des théâtres d'opération, sur des théâtres de guerre, c'est aussi quelque chose que vous pourrez ensuite retransmettre avec profit en montrant que l'information, ce n'est pas simplement les réseaux sociaux, c'est aussi des femmes et des hommes qui s'exposent en allant sur le terrain parce qu'ils ont le devoir ils ont le devoir, ils se sont donné cette mission qui est celle de dire et de transmettre. C'est quelque part un métier qui est à la fois proche du nôtre, mais qui est en même temps tout très particulier, dont Jean-Baptiste va nous parler. Il a quand même une sacrée carrière derrière lui. Voilà, est-ce que cela convient à tout le monde? Je vais partir d'une acceptation tacite. Donc, je vais commencer par la première question. C'est toujours on va commencer plutôt par la deuxième. La première est toujours difficile à poser, mais je n'ai pas de difficulté avec ça. Je n'ai pas vraiment de difficulté à l'oral en ce qui me concerne, je crois que vous le savez. Très concrètement, le choix, dès ta sortie de l'école, Jean-Baptiste, puisque je t'ai vu sortir de l'école de journalisme, hein, on est bien d'accord. Le choix, tout de suite, pourquoi les pays de l'Est? Alors, figure-toi, ce n'était pas dès ma sortie de l'école, c'était pendant l'école, et j'ai même failli me faire virer à cause de ça. Ah oui, c'est vrai. Ah mais j'ai protégé ton passif. Donc, j'étais encore à l'école, je suis en deuxième année, je crois. On m'a demandé, enfin, on m'a demandé d'aller interviewer clandestinement un dissident en Bulgarie. Et là, je dois dire que je me suis fait passer pour un étudiant en histoire. J'ai visité la cathédrale, j'ai acheté des cartes postales, des icônes, les monastères. Et j'étais interviewé ce dissident, notamment c'était pour le Quotidien de Paris, mais aussi pour une petite revue qui s'appelait La Nouvelle Alternative, qui n'était pas très connue, mais il y a des gens genre, enfin, qui publiaient des articles qui s'appelaient genre Vaclav Havel ou Lech Walesa. Enfin, vous voyez, c'était la revue. Donc moi, je me suis retrouvé dans ce milieu, en 87, c'était dans ce milieu, je suis devenu un expert pour la bonne et simple raison que personne n'y connaissait rien, quoi. Personne n'avait la moindre idée de ce qui se passait là-bas.
Et en sortant de l'école, bon, j'ai fait un petit tour d'abord à La Réunion. Et puis après, je me suis installé comme correspondant à Bucarest. Et à ce moment-là, la guerre a éclaté donc en Moldavie entre russophones, soi-disant, et Moldaves, dans ce qu'on appelle la Transnistrie, Trinistrovie, dont on parle pas mal encore aujourd'hui. Et donc, j'ai couvert cette guerre, quoi. Le monde a trouvé que je m'étais pas trop mal démerdé, je m'étais pas fait tuer, j'avais envoyé des articles et m'a demandé d'aller en couvrir la guerre en Yougoslavie. Et au bout de 2, 3 ans, j'en ai eu marre. Il y avait un poste à Moscou, ils m'ont donné le poste à Moscou. Je voulais faire de l'économie, de la culture. Le jour où je suis arrivé, la guerre en Tchétchénie a éclaté. Je suis parti là-bas avec mon gilet pare-balles et téléphone satellite. Et je vous passe la suite. Enfin, en gros, ça a commencé dès l'ESJ par ce canal bulgare qui est toujours proche de moi, puisque ma deuxième femme, là, est d'ailleurs d'origine bulgare et son père est un dissident. Pas celui que j'ai interviewé, mais un de ses amis. Voilà. Donc, c'est une histoire très personnelle, quoi. Bien. Alors, on va commencer peut-être à faire le tour. Ben, on va faire le tour des guerres de Poutine, puisque quelque part, tu les as toutes couvertes. Donc, voilà, hein, tu vas devenir notre référent pour les guerres de Poutine. Si je comprends bien, 95, la première, 99, 2000, la deuxième. Tu étais là, je sais que ça a été un choc, et que tu as vécu des choses pas spécialement faciles, donc tu diras évidemment ce que tu voudras. Mais concrètement, c'est une des questions que l'on se pose aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que l'armée russe en Ukraine a des difficultés. Est-ce que ce que l'on appelle le barka, c'est-à-dire le bordel, le foutoir en russe, est-ce Barbac. que... Barvac, c'est ça, voilà. Est-ce que tu l'as déjà, dès la Tchétchénie, est-ce que tu l'as déjà vu? Alors, moi, j'étais sûr à 100% que. Enfin, je ne pensais pas qu'il allait le faire parce que j'étais sûr à 100% qu'il allait se prendre une branlée. C'est évident. Et je lis il y a quelques experts universitaires, là, j'en ai une qui dit. La seule véritable réussite de l'armée russe, c'est de nous avoir fait croire qu'elle était très forte. Mais moi, j'ai jamais cru ça. J'ai jamais cru. J'ai jamais marché dans cette histoire. Franchement, je pense qu'elle est assez, elle est mauvaise. Par contre, il faut pas négliger qu'elle a un pouvoir. Et il lui reste un pouvoir de destruction massive. Elle peut raser la moitié de l'Ukraine, la conquérir avec de l'infanterie, la tenir, non. On en reste, là on est revenu au manuel soviétique, hein, je ne sais pas si vous avez lu, enfin, vous connaissez Stalingrad et Berlin Bivor, enfin, moi j'étais à Grozny, enfin, Sarajevo, je crois que c'était au maximum, on prenait 3 000 obus sur la tête par jour. À Grozny, c'était 60 000 des bombes d'une tonne. La ville s'est rasée, quoi. Donc cette armée, elle est technologiquement très très faible. La motivation au combat est très faible. Elle est totalement corrompue, mais elle est capable de tout casser. Ça, c'est, je veux dire, s'ils veulent tout casser, ils cassent tout. Ça, ils savent faire. Après, il faut reconstruire. Donc sur l'armée russe en Tchétchénie, qu'est-ce qu'on voyait? Bon, on voit là ce qu'on voit en Ukraine, c'est-à-dire qu'en fait, bon, l'armée russe c'est tout un sujet en soi. Bon, déjà ils ont un problème, ils n'ont pas ce qu'on a. Si je parle, s'il y a des militaires parmi là, ils n'ont pas tout ce qui fait aussi la force de l'armée française, toutes ces structures de sous-officiers, de sergents, de capitaines, de forces intermédiaires. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils envoient les journaux. Ils sont directement obligés d'envoyer les. Elle est très mal encadrée. Elle est très mal encadrée. Donc les gars, dès qu'ils sont pas surveillés, ils en profitent soit pour pas se battre, soit pour violer, soit pour voler. Le recrutement, c'est pas le haut du panier en France non plus. Je sais, j'étais moi-même dans une unité parachutiste à Lille, donc j'ai vu que c'était
c'est pas non plus tous ceux qui sortaient de Sciences Po qui étaient là, mais bon, là-bas, c'est on recrute dans les prisons en Sibérie, et en gros, soit tu fais 5 ans pour viol, vol ou je sais pas quoi, soit tu vas en Ukraine. Et c'était la même chose en Tchétchénie. À vous retrouver, vous voyez des blindés avec les téléviseurs, le frigo dessus, etc. Enfin bon, c'était une scène courante avec les mecs, les lunettes de soleil, les bandanas, même un drapeau soviétique. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et comment les Tchétchènes ont pu notamment quitter quoi, pas 10 000 hommes, il y avait 100 000 hommes. Eh ben, pour passer un checkpoint, il suffisait de payer. Donc tout est, etc. Là, tous les programmes d'armement, soi-disant, là, si on regarde, par exemple, il y a eu un programme pour mettre un nouveau système de télécommunication. Tout l'argent a été détourné, ça fonctionne pas. Du coup, ils utilisent des cartes SIM ukrainiennes, ils se font repérer. Enfin, il y a. Bon, pour moi, ce qui se passe, c'est la superposition, pour résumer, dans l'armée russe et dans le conflit russe et l'échec de l'armée russe, de trois Russies. La Russie impériale, qui est donc colonisatrice, avec qui croit à sa supériorité, donc les Ukrainiens sont des êtres inférieurs, etc. Avec des mœurs qui sont politiques, qui sont héritées de la Horde d'or, enfin vraiment très, c'est-à-dire la violence pure. La couche soviétique où on a un plan, on produit 10 000 chars. S'il y en a 9 000 qui marchent pas, il n'y a aucun contrôle qualité, mais on a rempli le plan. Donc on vit dans une seconde réalité, quoi. C'est-à-dire que ce qui est sur le papier correspond absolument pas à ce qui est dans la réalité. Et ça, c'est la couche soviétique. Et il y a la couche Nouvelle Russie, avec en plus de tout ça un développement de la corruption, de détournement de fonds, etc. Vous ajoutez les trois et vous avez le résultat actuel. Bon, ben au moins les choses sont dites. Alors, ce que tu as vu lors des deux guerres de Tchétchénie, après, déjà, si j'ose dire, ça commence mal ou ça commence bien, comme tu veux, en ce qui concerne la présentation sur la perception. Alors, un correspondant de presse, comment il est perçu Est-ce que tu as été, toi, à Grozny, au contact de l'armée russe, des bataillons tchétchènes qui s'y sont opposés et qui ont résisté quand même pratiquement pendant 9 mois, au moment de la première guerre de Tchétchénie? Concrètement, comment ça se passe? Comment tu interviens, toi, avec tes confrères, évidemment, sur le terrain? Est-ce que vous fonctionnez par poule ou est-ce que tu te démerdes tout seul dans ton coin pour avoir du contact, du relationnel, tes référents, comme on dit, comme on les appelle. Bon, moi j'ai un réseau tchétchène qui est en fait historien, en fait. C'est-à-dire, j'ai un copain qui est tchétchène, qui est docteur en histoire de l'Académie des sciences de Russie et qui est sûrement le spécialiste mondial du Caucase et qui était ami avec le spécialiste mondial du Caucase français, quoi. Et grâce par ce canal-là. Lui, il a été représentant de la République de Tchétchénie à Moscou, porte-parole de Machakov, etc. Donc, j'ai connu, enfin, bon, bref, j'avais des contacts avec l'indépendantiste tchétchène à très haut niveau. Et bon, j'ai encore un copain là-bas qui est aussi docteur que je vois et qui vient à l'EHESS. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas des abrutis. Ce sont des gens qui. Du côté russe, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait aucune possibilité légale, organisée de travailler avec l'armée russe. Donc, ça se faisait par contact personnel. Et en gros, j'allais traîner dans les bars et je picolais de la vodka avec les soldats russes. Pour me faire copain avec eux, et c'est que j'avais des informations, mais on était interdit des bases militaires.
Et bon, les Russes qui étaient dans des camps, par exemple, ça s'appelait les checkpoints, bon, bah, la seule chose qu'on leur demandait, c'était de pas nous tirer dessus, quoi. On dit, et puis bon, ils avaient des ordres, enfin bon, il n'y avait pas vraiment de contact organisé. Avec les Tchétchènes, c'était beaucoup plus facile, quoi. Et on travaillait, alors moi, je travaillais soit seul avec mes copains tchétchènes, soit je faisais équipe avec un copain du New York Times ou de Libé, ou en général, on était à deux ou trois pour des raisons à la fois d'argent pour partager les frais et de sécurité. Parce que tout seul, c'est toujours un peu. Puis bon, quand de toute façon, il se passe un gros événement, je ne sais pas, les Tchétchènes emparent de Grozny, tout le monde déboule et on n'était pas tous nombreux, et puis on était tous copains, donc voilà, on bouffe ensemble, voilà, quoi, il n'y a pas. C'est pas de. Y a rien d'organisé, c'est très. Bon. Si par exemple, moi j'avais besoin d'aller à un endroit et je ne savais pas si c'était dangereux, comment, par quelle route passer, j'ai appelé un copain qui était sur place, je sais pas, du New York Times par téléphone satellite et il me disait bah, prends cette route-là, prends pas cette route-là. Et moi je faisais pareil, on s'entraide. D'ailleurs, je le fais toujours maintenant. Moi j'ai toujours fait comme ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis vivant, c'est-à-dire que. J'aide les autres et eux ils m'aident. On s'échange les informations, pas forcément toutes les informations politiques, mais en général on le fait, mais les informations de sécurité, d'accès, etc. Là-dessus, on est. Si on collabore pas, c'est comme ça qu'on se fait tuer, quoi. Faut être renseigné. Et celui qui est sur. C'est le premier arrivé qui renseigne les autres. Voilà, c'est chacun son tour, quoi. Voilà. Comme ça que ça marche, en gros. D'accord. Donc, morale de cette histoire, il faut avoir l'estomac solide et donc te traîner dans les bars, effectivement. Mais bon, tu avais quand même un entraînement antérieur. Donc, je me souviens des sorties de cours à l'école de journalisme l'après-midi. Deuxième type de conflit. Dans celui-là, l'armée française a été impliquée. Ça a été le conflit en ex-Yougoslavie. Je suppose que tu as donc été sur Sarajevo au moment du siège. Oui, pas seulement sur Sarajevo, j'étais à peu près partout en Bosnie, c'est-à-dire la poche de Bihać où les Français étaient déployés, Sarajevo, un peu partout. Enfin, toutes les zones où il y avait la force ProNU et le général d'ailleurs qui commandait à Zagreb, le général Kot était un Français. Bon, je vais dire des choses extrêmement méchantes. Extrêmement gentil à la fois sur l'armée française. Du point de vue de l'organisation, du contact avec la presse, alors, bémol, les choses se sont quand même largement améliorées. Hein? Il y a quand même des progrès qui ont été faits. Mais bon, je vais vous prendre un scénario. Bon, par exemple, les Anglais étaient en Bosnie centrale, à Vitez. Alors j'arrivais à Vitez, il y avait un club pour les journalistes, une maison, avec de la bière fraîche, deux officiers de presse super sympas, qui prenaient le briefing de l'ONU, qui nous disaient « Oh là là, quelle connerie, etc. On va vous dire ce qui se passe, et tout ça, machin. » Ils nous racontaient la vraie histoire. Les gars, vous avez besoin d'essence? Non, ça va. Bah, si vous voulez faire réparer votre bagnole, pas de problème. OK. Voilà, ça c'est l'armée anglaise. Alors qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous donnent 90% de bonnes informations, vous êtes très content, et quand ils veulent vous faire bouffer 10% d'intox, vous les bouffez avec sans vous en rendre compte. Mais ils sont malins, c'est très bien organisé. Ils savent comment embobiner les journalistes. L'armée française à Sarajevo,
L'essence, non, vous démerdez tout seul. Le briefing, non, il n'y a pas eu de bombardement, alors que vous voyez les bombardements qui tombent, les bombes qui tombent, enfin bon, catastrophique, quoi, catastrophique. La communication officielle, aucune crédibilité, aucun soutien de la presse matérielle, etc. Rien, quoi. L'inverse des. Alors, bémol, moi j'ai rencontré par exemple des colonels de RPIMA, etc., machin, lors de. Qui a sympathisé avec eux, parce qu'on déchargeait les sables de sable ensemble sous les snipers, donc ça crée quand même un peu de. Voilà. Ils sont devenus. Des amis, eux-mêmes, ils pensaient que la façon dont les choses officielles étaient organisées était complètement aberrante. Et j'ai noué des contacts personnels et amicaux qui durent jusqu'à aujourd'hui. Des gens même que j'ai retrouvés au Rwanda plus tard ou dans d'autres OPEX et qui ne me racontaient pas de conneries pas crédibles et qui me racontaient bon, les choses telles que la situation se posait, qui n'est pas toujours facile pour eux, quoi, mais au moins quelque chose de crédible et qui me laissait passer la nuit dans leur camp. Et, mais bon, alors, moi, je connais déjà une autre anecdote. Alors là, c'était vraiment de l'amateurisme total. Une fois, j'étais à Biache, là, je vais voir au camp français, voir si je peux être reçu pour avoir un briefing. « Ah non, c'est pas possible, etc. etc. » Bon, nous, on n'avait pas. Finalement, ils ont pitié de nous, ils nous invitent à bouffer. Et alors qu'ils ne voulaient rien nous dire, tout le monde se torche la gueule et ils commencent, une fois qu'ils ont torché, ils commencent à nous raconter tout ce qu'ils n'auraient jamais dû nous dire. Donc, vous voyez, la maîtrise de la communication est nulle, quoi. Nulle, 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 nulle. Et bon, je sais que les choses se sont quand même. Largement amélioré. La maîtrise de l'anglais dans l'armée française était relativement catastrophique. Quand vous gérez des situations, quand vous êtes, vous êtes en face du New York Times, du Washington Post ou je ne sais pas quoi, etc., vous parlez un anglais niveau 5e et que vous leur racontez des grosses conneries, on passe pour des cons, quoi. Hein. Je ne veux pas dire, mais franchement, il y a eu des progrès, mais on revient de très loin. On voit comment les Britanniques. C'est vrai aussi d'ailleurs dans la diplomatie, c'est à peu près la même chose. Hein, si vous êtes journaliste français, si vous nouez pas des relations de type personnel, du point de vue institutionnel, déjà, on vous considère comme un ennemi. Vous êtes un ennemi. Vous allez dire du mal. Vous êtes quelqu'un à qui il faut mentir. Vous êtes quelqu'un qui doit se démerder. Vous êtes un emmerdeur dont il faut se débarrasser. Moi, je préfère le mec qui m'offre une bière fraîche et qui me dit, bon, écoute, Jean-Baptiste, là, on est dans... Voilà, quoi, c'est la merde. C'est vrai qu'on a fait une connerie hier. On n'aurait pas dû la faire, mais enfin bon... On fait quand même des. Voilà quoi, on fait des trucs. Voilà. J'arrête là sur le sujet communication armée française, etc. Enfin, je suis assez sévère parce que franchement, par contre, je dois dire que je me suis fait des copains officiers qui sont des gens absolument extraordinaires. Quoi, hein, extraordinaires. Quoi. C'est-à-dire d'une grande culture, courage, enfin. Donc, c'est pas une attaque personnelle, mais je pense que l'institution en tant qu'elle-même fonctionne très mal avec la presse. Et ça, on a eu en cours d'histoire de l'ESJ, on nous avait raconté qu'en fait, il y avait eu un foirage lors de la guerre 1870 où il y avait des informations qui étaient sorties qui ne devaient pas sortir, d'où la censure. En 1914, ce qu'on appelait le bourrage de crâne, naissance du canard enchaîné en réaction, et on n'est toujours pas sorti de cet accident historique où, de toute façon,
Mais même en général, ce n'est pas vrai seulement pour l'institution militaire. La presse dans le monde anglo-saxon est considérée comme une alliée, quelque chose. Je veux dire, les journalistes français sont très peu défendus par la diplomatie. Très peu, très peu, très peu. Quand il leur arrive quelque chose, c'est qu'ils ont fait une connerie. Voilà. Ou ils ont dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Mais oui, mais on est là pour ça. On est payé pour ça. Voilà, j'arrête là. Je t'entends pas là. Voilà, alors effectivement, tu as raison parce que il y a eu au moment, d'ailleurs tu en parleras peut-être sur l'opération Daguet, c'est-à-dire sur l'opération en Irak, déjà ça s'était manifesté de cette façon-là, c'est-à-dire que le rapport presse écrite et institutions militaires ou presse audiovisuelle n'est pas toujours facile et n'est pas toujours évident. Ça, je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Alors les choses ont quand même évolué. Deux exemples d'ailleurs à ce propos. Les Clionautes travaillent depuis plusieurs années avec la revue Inflexion et avec un officier de communication qui est un ancien sapeur qui a servi en Bosnie, le colonel Cottard, tu l'as peut-être croisé. C'était le régiment du génie. Et les choses, et il est d'ailleurs devenu officier communication, et les choses se sont progressivement améliorées. Deuxième anecdote un peu particulière, au moment donc où j'avais mon ancien étudiant en Bosnie, il a été libéré discrètement depuis, j'avais un jeune Tourquennois, enfin un jeune Roubaisien, mais que j'avais en classe de terminale, un certain Lionel Dumont, qui faisait partie du gang de Roubaix, et qui était lui-même, au moment où tu y étais, en Bosnie. Ça a fait partie de ce qu'on a appelé les Ch'tis d'Allah, avec évidemment cette radicalisation qui l'a ensuite conduit à faire des attaques à main armée, bon, le gang de Roubaix, etc. Alors, puisque tu es parti ensuite au Rwanda, là aussi, ça fait partie des thèmes que les profs du second degré abordent dans leurs enseignements. Je crois que sur cette opération turquoise, la perception que tu en as eue, est-ce que toi d'abord tu as eu le sentiment qu'il allait se passer quelque chose, évidemment de tragique sur place, et puis tu as vu que il y a eu à la suite du rapport Duclert sur le Rwanda, pas mal de choses qui ont pu être dites. Donc, je suis sûr que tu as quelque chose à nous dire à ce propos. Oui, alors bon, moi je me suis retrouvé au Rwanda par accident. J'arrivais justement de Bosnie centrale où je venais de faire des choses sur la 7e brigade, donc sur les islamistes, où j'avais des mecs du GIA qui me faisaient Franzouz, on va te couper la gorge. Et je suis arrivé, le journaliste qui était sur place avait double pneumonie plus crise de palu. Et c'était mi-juillet, je crois. Et moi, je devais me marier le 3 août. Et D'accord. donc, il n'y avait personne qui voulait y aller. Et donc, moi, j'ai accepté de le remplacer. J'ai dit à mon chef, par contre, le 3 août, il faut que je sois rentré, sinon je divorce avant de me marier, quoi. Donc, j'y suis allé. Donc, turquoise. Je crois qu'il y a, il y a, il y a, on ne sait toujours pas exactement hein, ce qui s'est passé. Ce qui est certain, moi, ce que j'en ai vu, c'est qu'il y a eu, il y avait différentes personnes dans l'État, voire dans l'armée, qui avaient différentes conceptions de ce que t'es turquoise. Il est certain qu'il y a une véritable opération humanitaire. Ça, c'est certain. Moi, je l'ai vu à Goma. Hein, c'est les soldats français qui ramassaient les 3 000 morts de choléra qu'il y avait tous les jours et qui les enterraient au bulldozer en faisant sauter la latérite à la dynamite. Enfin, c'était une horreur, quoi.
Et à l'intérieur du Rwanda, dans la zone turquoise, c'est évident qu'il y a eu, protection, etc. Après, ils n'ont pas arrêté les génocidaires, ils n'avaient pas les ordres. Bon, tout ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai interviewé Queneau, le chef d'état-major de Mitterrand. Vous pouvez trouver l'interview sur le site du. Je te l'enverrai peut-être parce que c'est en accès payant, donc Non, mais tu pourras on a un l'envoyer. abonnement au Nouvel Obs, hein. Les clients sont Et abonnés au Nouvel. ben, j'ai fait une longue. J'ai deux papiers sur Queneau, une interview et son portrait, celui de Varet. Et c'est la première fois qu'il parlait. Et lui-même reconnaît des conneries, quoi. Donc, après, il y a eu une tentation, je pense, d'une certaine partie de l'armée française qui était vraiment obnubilée par le FPR, de faire de la zone turquoise une tête de pont pour reprendre Kigali. Mais ça, tout le monde, je veux dire, tous les officiers, enfin toute l'armée française qui était déployée dans la zone turquoise n'était pas forcément au courant. Il y a des opérations secrètes dans l'armée française. Elles sont tellement secrètes que je ne peux pas vous dire que je les connais exactement, mais j'ai des sources, enfin des soupçons, quoi, que voilà. Donc, dans Turquoise, il y a à boire et à manger. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a plus à boire qu'à manger d'autres journalistes l'inverse. Moi, j'ai vu ce que j'ai vu. J'étais avec des officiers, justement, dont je n'entendrai pas le nom, mais des gens très bien, qui ont essayé d'éviter tout conflit avec le FPR. Il y en a un qui a traversé la ligne de front en jeep tout seul pour aller rencontrer les mecs du FPR et leur dire, écoutez, n'avancez pas parce que moi, j'ai des ordres de vous tirer dessus et je ne veux pas vous tirer dessus. Et il a raconté ça devant l'Anksad qui tirait une gueule. Moi, j'étais là, qui tirait une gueule par terre. Donc, il y a vraiment eu vraiment des gens qui ont fait le job prévu, quoi. C'était là. Et après, bon, bah. On sait très bien que au Rwanda, il y a eu l'histoire Norrois, il y a eu des opérations clandestines de soutien à l'armée rwandaise, et puis il y a une coopération officielle normale. Et je crois que dans le rapport Duclert, ils accusent notamment Queneau, donc le chef d'état-major de Mitterrand, d'avoir dirigé depuis les combles de l'Élysée avec un téléphone satellite. Des opérations clandestines, lui il dit que non. Bon, moi je sais pas le fin mot de l'histoire. Ce que je veux dire, c'est moi mon sentiment sur le Rwanda en général, hein, c'est que quand on dit complicité de génocide, je dis complicité passive et accidentelle. Je pense qu'il n'y a personne dans l'armée française, ni au gouvernement français, n'avait l'intention de soutenir les Hutus pour les aider à zigouiller. Ils se sont fait entraîner dans un truc, dans une logique de conflit. Et Queneau me dit très bien d'ailleurs, et ça, il faut le noter, il dit que à ce moment-là, lui, il pensait des accords d'Arusha allaient tout régler quand ça a commencé le génocide. Lui, il était préoccupé, il y avait Srebrenica, il voulait faire une opération militaire pour libérer Sarajevo, il voulait sauter sur. Queneau voulait faire. Ça a été proposé en Conseil de défense. Queneau voulait faire sauter sur Srebrenica pour protéger l'enclave. Donc, ils étaient loin de cette histoire de Rwanda. Donc, je pense que c'est un peu facile de juger enfin, de façon tranchée cette affaire. C'est sûr, on a été un peu aveugle, mais on a été aussi aveuglé par un certain nombre de choses. On s'est auto-aveuglé, mais on a été aussi aveuglé. Donc, j'ai un sentiment. Moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'on reconnaisse qu'on a fait des conneries, mais c'est des conneries qu'on n'a pas fait forcément exprès, quand même, quoi. Ok, alors on va continuer à faire le tour du monde du tragique, si l'on peut dire. Vraiment désolé, hein, Non, ça te colle à la peau.
Après le Rwanda donc et après ce mariage donc si je comprends bien tu pars en Irak probablement à la suite comme théâtre d'opération dans lequel tu interviens si je suis un peu ton cursus. Oui, en fait, en fait, non, j'ai été, je suis rentré, je me suis marié, j'ai pris la voiture, j'étais en Russie en traversant l'Ukraine, la Transnistrie, je suis arrivé, ça a commencé en Tchétchénie, et après, quand je suis rentré à Paris, j'étais en Irak, mais la deuxième guerre, j'ai pas fait la première guerre, j'ai fait la deuxième guerre, l'intervention américaine où j'étais, j'ai suivi depuis le Koweït, Bassora, tout ça, quoi. Voilà. Mais la D'accord. première guerre de l'Irak, j'ai n'étais pas de. Et là, si je comprends bien, tu étais dans un pool. Alors, Bassora, c'était plutôt les Britanniques, toujours. Alors, c'était les Britanniques, ouais. Parce qu'en fait, les Américains ont essayé, ils ne sont pas arrivés, ils ont laissé les Britanniques D'accord, se démerder, oui. le prendre. Non, j'étais pas dans un pool, on était tout seul. Non. On a forcé la frontière en traversant la DMZ, j'ai roulé sur le champ de mine et tout. D'accord. Alors, il y a une Ça question qu'on te craignait. pose, il y a une question que Philippe Briatte, qui est en Andalousie d'ailleurs, qu'il te pose par écrit, sur l'ensemble des théâtres d'opération où tu es allé, il te demande quelle est, la fois où tu t'es senti le plus en danger. La fois où je suis en danger, c'était dans Grozny, les Tchétchènes avaient pris Grozny en s'infiltrant, ils assiégeaient les casernes. Et j'étais avec un commandant proche d'une caserne et je lui demandais, mais ils sont où? Il me dit, bah, c'est la porte verte là. Et je lui dis, ils peuvent nous tirer dessus. Il me dit, ben oui. Et je lui dis, vous voulez pas qu'on discute à côté, un peu plus loin, du bon, si vous voulez. Et à ce moment-là, les Russes tentent une sorte, quoi, des BTR, donc des blindés, sur roues et sur chenilles, en tirant à la mitrailleuse lourde. Alors, ils essayaient de nous bombarder avec des obus, mais ils nous passaient au-dessus parce qu'on était juste à côté, quoi. Et là, il y a deux Tchétchènes qui font la course, qui foncent. Pour shooter avec des RPG, en fait, grenades à neuf, les blindés. Et je me dis, s'ils les loupent, on a. Et je me barre en courant. Et malheureusement, de l'autre côté, les blindés sortent aussi. Donc j'étais pris entre les deux colonnes de blindés. Et en fait, c'était dans Grozny, mais c'est des maisons avec des grandes palissades de 2 mètres en bois et des portes. Donc j'étais coincé, là je me suis dit, putain, ça y est, t'es cuit, quoi. Et j'ai vu le tank arriver au coin de la rue et tirer, là je me suis dit, ça y est, là, je vais exploser. Et il y a une porte qui s'est ouverte, il y a un Tchétchène qui m'a tiré à l'intérieur et m'a fait sortir par le jardin. Mais sinon, bon, c'est arrivé malheureusement plus. Là, je me souviens bien parce que là, j'ai cru que c'était cuit pour moi, quoi. S'il n'ouvrait pas la porte, je pense que j'étais cuit. Bien, bah écoute, merci, merci. Voilà, j'espère que Philippe a eu sa réponse. Bruno, Oui. ouais, je vais me permettre de poser une question. Tout à l'heure, là, Jean-Baptiste, tu parlais un petit peu des relations avec l'armée, qui étaient parfois un peu compliquées. Est-ce que la censure, tu l'as vécue très souvent, et puis en relation, est-ce que l'autocensure, c'est quelque chose qui, pour des raisons de sécurité, des raisons peut-être psychologiques aussi, des principes moraux plutôt, c'est quelque chose que tu as déjà pu pratiquer? Alors, en France, il n'y a pas de censure, hein. On ne soumet pas nos articles à l'armée française. Ça existe en Israël pour certains. Donc, on n'a pas de censure. L'autocensure, on s'autocensure
tout le temps, surtout sur les opérations militaires. Par exemple, moi, je donne pas les positions, enfin, je mets pas dans mes articles quelque chose qui peut servir à la partie adverse, même si c'est une partie qui n'est pas celle que je, voilà, quoi. On a chacun ses petites préférences, quoi. Même si, on essaye de rester honnête. Effectivement, y a des choses qu'on n'écrit pas, y a plein de choses qu'on n'écrit pas pour diverses raisons, pour des raisons de sécurité, pour des raisons morales, pour protéger les gens, protéger les identités, pour pas que les, voilà. Enfin, ça, c'est, moi, j'appelle pas ça vraiment de la censure, j'appelle ça de la déontologie journalistique, par exemple. Une source qui me demande, enfin, je ne dis pas que je suis un bon journaliste, mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent, par exemple même dans l'armée, c'est qu'ils savent que jamais je, voilà, une source anonyme restera une source anonyme. Je ne dirai jamais, même à mon chef, qui sait, quoi, si on m'a dit de pas le dire, quoi. Voilà. Ça, c'est, ça fait partie de. Bon, alors. Enfin, ce que j'appelle, moi, de la déontologie, quoi, pas de la censure. Oui. Alors, revenons à l'Ukraine pour terminer. C'est vrai que le temps passe vite et on ne va pas abuser de ton temps. Revenons à l'Ukraine. Alors, si je comprends bien. Tu as été en Crimée en 2014, ou tu étais dans le secteur en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée. Ce qu'on nous dit en ce moment, c'est dire, mais de toute façon, les Ukrainiens s'y résistent. C'est parce qu'ils avaient compris dès 2014 que de toute façon, ils y auraient droit un jour ou l'autre. Est-ce que tu peux le confirmer ou l'infirmer éventuellement? Non, moi je pense pas qu'ils. Moi, je pense qu'ils ont été surpris, même si ils avaient renforcé leur armée qui était pratiquement inexistante en 2014, donc c'était, ils partaient de zéro pratiquement. Ils ont été surpris, eux. Je crois qu'ils s'attendaient, à la même chose que moi. Et d'ailleurs, ils l'ont dit. C'est-à-dire que Poutine continue, parce que là, il y a une véritable rupture qui se crée, même pas depuis Poutine, c'est, parce qu'en fait, ces conflits-là, ça a commencé depuis Gorbatchev, l'Abkhazie, tout ça. Ces conflits locaux avaient pour but de créer une pression en Transnistrie sur la Moldavie, en Abkhazie sur la Géorgie. Ça, c'est Gorbatchev qui l'a fait pour maintenir l'Union soviétique. On utilisait ça pour faire pression, on utilisait le gaz, on utilisait les médias, etc., pour amener un pouvoir qui soit favorable. Et ça a marché régulièrement. Et là, il y a, c'est ce qu'on on va dire, une politique néo-impériale, quoi, comme nous, on mettait des régimes favorables en Afrique. Par divers achats, moyens, et effectivement des pressions militaires, mais localisées. Donc l'invasion, là, comme ça, je ne pense pas du tout qu'ils s'y attendaient. D'ailleurs, ils ne s'y attendaient pas. Je crois qu'ils ont été informés des plans avant, enfin, notamment l'attaque sur Kiev par la CIA, quoi. Il y a des sources dans les services russes, quoi. Ils ont des sources, et l'inverse c'est vrai aussi. Donc là, ils ont bien réagi, mais je veux dire, depuis 2014, ils s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient au jeu habituel russe. Et ce qui s'est passé exactement, je ne sais pas, mais bon, je crois que Poutine a compris que le jeu habituel ne fonctionnait plus, n'était plus suffisant,
qu'il avait perdu, qu'il perdait ses moyens de pression, qu'il soit militaire, politique, économique, et que qu'il était obligé de passer à l'invasion. Mais je ne pense pas qu'il s'attendait à ça. Alors, ça fait partie des grandes interrogations, parce que bon, tout ce que tu as pu dire sur l'état de décomposition de l'armée russe, bon, je crois que ça a été clair pour tout le monde. Mais j'avoue qu'il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas et sur lequel vraiment j'ai pas d'explication et je livre mon interrogation à tout le monde et évidemment à toi en particulier, Jean-Baptiste. Je ne comprends pas comment les services de renseignement russes ont pu se planter à ce point sur la réaction des Ukrainiens. Puisque, si j'ai bien compris au départ, ils s'attendaient à être accueillis, sinon comme des libérateurs, mais au moins avec, disons, une indifférence polie. Là, ils ont soudé un peuple autour de son président, sur lequel, très franchement, on se posait des questions quand même, indépendamment du fait qu'il ait joué le rôle d'un prof d'histoire dans une série, ce qui nous le rend, a priori, chez les Clionautes, plutôt sympathique. Mais bon, c'est ça que j'avoue que là, au niveau du renseignement, il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, très concrètement. Écoute, moi, je suis un peu comme toi. J'ai juste vu une lettre très intéressante qui a fuité d'un lanceur d'alerte du FSB qui travaillait sur l'Ukraine, qui est authentifié par l'un des meilleurs spécialistes des services russes qui connaît les gens. Cette lettre, là, en gros, il expliquait qu'il avait fait un rapport sur l'état d'esprit des Ukrainiens, tout ça. Expliquait que bon, en fait, non, ça marche, ça n'allait pas bien marcher, qu'il n'allait pas faire comme ça. Enfin, mais on lui a dit, mon gars, là, ça, ce rapport, là, ça ne va pas passer là-haut, là. Hein. Poutine, il ne pense pas du tout ça. Alors, il faut que tu le refasses. Hein. Donc, il a fait le rapport favorable dans le sens que son chef voulait entendre parce que lui-même n'avait pas envie d'avoir d'emmerde avec Poutine. Donc, ils se sont auto-intoxiqués. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que Poutine, lui, croit en la force. Il a cru qu'il pouvait appliquer à l'Ukraine le scénario tchétchène. C'est-à-dire, en Tchétchénie, il a raillé le clan Kadyrov, un clan relativement important. Et tu peux trouver un nombre d'hommes en Russie, en Ukraine, que tu achètes, etc. Et après, on arrête, on torture tout le monde, etc. Et donc, avec une. C'est le système soviétique, hein, avec une minorité qui détient les armes, la force et l'argent, peut imposer sa volonté à la majorité. On impose une réalité virtuelle par les médias, comme quoi, enfin bon, des histoires complètement inventées, mais les gens n'ont pas d'autres sources, donc finalement ils finissent par les croire. Et bon, voilà, ce qu'il y a, c'est que l'Ukraine, c'est 600 000 km², la Tchétchénie, c'est la taille de l'Île-de-France, c'est moins d'1 million d'habitants, et l'Ukraine, 36 millions. Donc, Pour l'Ukraine, c'était pas, ils avaient 180 000 hommes, c'est minimum 500 000 professionnels qu'il fallait par une opération super bien préparée. Et lui, il a cru là que le problème de Poutine, c'est que c'est pas un militaire spécial. C'est quoi son opération spéciale? C'était, on va atterrir à Kiev, on prend un aéroport, on renverse le gouvernement, on met un autre à sa place et tout s'effondre. C'est le scénario qui s'est passé en Afghanistan en 1979. C'est des spetsnaz russes qui sont rentrés, qui ont buté le président, ils ont foutu un président pro-soviétique et ça a marché. Bon, après, ils sont enlisés pendant 10 ans. Mais ouais, ce genre de. Je pense que lui, il était à la fois intoxiqué par ses services qu'il n'osait pas lui dire. Les gens n'osent plus lui dire. La vérité, quoi.
Enfin, ça nous ramène, ce que tu racontes nous ramène quand même en 1941, quand les services d'espionnage de l'armée rouge avaient donné à Staline le jour et l'heure de l'invasion, enfin de l'opération Barbarossa, donc du 22 juin 1941, et la hiérarchie intermédiaire en dessous de Staline dit, ah ben non, Staline n'est pas d'accord, il a décidé que la guerre à l'Est ne commencerait qu'en 1944. Résultat, la première offensive allemande, ils sont rentrés là-dedans comme dans du beurre, ils ont fait 1,5 million de prisonniers en moins d'une semaine. Donc si je comprends bien, en fait, on se retrouve dans le scénario de 1941. C'est-à-dire où la vérité Alors, qui est attendue par le chef s'impose à tous en dehors de la réalité réelle. t'as la couche soviétique, celle dont je parlais tout à l'heure, voilà, on est toujours dedans. Et apparemment, en plus, tu as la couche Nouvelle-Russie corrompue. D'après ce que j'ai vu, ça paraît relativement crédible. Poutine avait débloqué 10 milliards d'euros pour acheter des gens dans l'armée en Ukraine, etc., des politiciens, enfin, voilà, pour préparer, pour que ça tombe comme un fumier, quoi, pour avoir ces hommes. Et apparemment, les 10 milliards d'euros ont été, qui étaient évidemment liquides, ont été détournés du haut de la pyramide au bas, au gars qui devait filer le fric en liquide. Ce qui fait que toutes les opérations de diversion qui devaient se passer à l'intérieur de l'Ukraine, que moi j'attendais, et que les gens, moi quand j'étais à Mariupol, ils savaient qu'il y avait des mecs, mais les mecs n'avaient pas été payés. Donc, tu as à la fois la réalité virtuelle soviétique, plus tout le fric qui devait servir à préparer, à acheter des gens, des complicités, à créer des groupes de diversion, etc., qui a été détourné. Et les mecs, et Poutine a foutu les mecs au trou, là. Ils sont sous enquête, ils sont dans la prison. Les mecs de l'ex-KGB sont dans la prison de l'ex-KGB pour détournement, pour avoir détourné le fric. Rien, personne ne lui a dit, quoi. Voilà. Bien, eh ben, écoute, je crois que les choses sont dites. Juste un partage d'écran que je me permets de faire sur notre site et notamment sur la cliothèque où ton dernier ouvrage figure en bonne place comme un coup de cœur. Alors voilà. Donc Jean-Baptiste, quand il ne se balade pas sur les théâtres d'opération, est aussi un auteur. Alors, il a écrit un livre très émouvant. Vous l'avez eu dans le mail qui vous a invité à cette visioconférence, qui raconte justement la guerre d'Algérie, mais vue sous l'angle de la fiancée d'un soldat. C'est un livre qui mérite sans doute d'être lu. Et puis, vous avez ce dernier ouvrage qui sera disponible le 27 mai. Il est actuellement en prévente, il va probablement le présenter. Donc son premier roman, c'était La blessure. En plus, c'est une histoire qui le touche personnellement. Ici, il s'agit d'un ouvrage sur ben, finalement le destin quelque part d'un homme seul, avec ses contradictions. Il s'agit d'un séminariste breton qui se retrouve embarqué dans la volonté de tuer Hitler. On n'a toujours pas compris d'ailleurs quels étaient ses ressorts, mais... Je sais que Jean-Baptiste le raconte dans son livre, mais c'est un sujet qui est très mal connu et qui mérite certainement qu'on s'y intéresse sur justement la capacité quelque part d'un homme seul à pouvoir changer le cours de l'histoire, même si l'histoire nous a montré, à nous historiens, que ce n'est jamais aussi simple et que ça ne se réalise que très rarement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors réponse à Nathalie Verquin pour ce qui concerne les questions qui sont posées. Le diaporama il devrait être présenté sur Clio Prépa puisque il va être militarisé ce diaporama avec et donc a priori destiné aux candidats des concours de l'armée de terre dans la partie Clio Prépa Mili, mais dès lors que l'on s'engage à participer à Clio Lycée ou à Clio Collège par des contributions,
Moi, c'est la règle que j'applique. On peut mettre à disposition des ressources qui, a priori, ne sont pas des ressources ouvertes, que ce soit les préparations de concours, que ce soit les concours de l'éducation nationale, que les concours de l'armée de terre, puisque nous en arrivons maintenant à cette situation paradoxale où on va bientôt avoir plus de candidats militaires qui préparent les concours d'enseignement que d'étudiants en histoire qui passent les concours d'enseignement, que ce soit le CAPES ou l'agrégation d'histoire. Donc voilà un peu l'état dans lequel nous nous trouvons. Écoute, Jean-Baptiste, j'ai envie de te dire bon vent, mais on va rester en contact, c'est évident. Tu as encore des tas de choses, on a encore des tas de choses à se raconter. On a 30 ans de discussions qu'on n'a pas eues parce que les hasards de la vie nous ont éloignés, donc il va falloir qu'on rattrape tout ce retard. Je n'hésiterai pas à venir jusqu'en dans le Morvan, même si c'est difficile du point de vue des accès numériques. Tu peux compter là-dessus, mais toi, tu n'hésiteras pas non plus à descendre du côté de Béziers. C'est pas la Tchétchénie, encore que Béziers est un centre d'accueil de réfugiés tchétchènes. Loïc, qui se trouve en visio, pourra te le confirmer. Il y a énormément de Tchétchènes à Béziers, donc comme ça, tu seras pas dépaysé. Tu as aussi Robert et Emmanuel Ménard. C'est un genre de clan Kadyrov, mais avec une version un peu particulière. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'aiment pas beaucoup les clionnottes, puisque nous ne faisons plus à Béziers les cafés géopolitiques dont je parlais tout à l'heure avant que tu arrives. Donc voilà, vraiment merci à tous d'avoir été là. Il y a eu 25 participants à cette visio, il y en avait 42 qui étaient inscrits, c'est à peu près la norme en termes d'inscription. Vous pourrez suivre les articles de Jean-Baptiste Naudet dans le Nouvel Observateur. On pourra en mettre quelques-uns à votre disposition. Je crois qu'il m'excuse, il me permettra il me permettra ce choix. Après tout, les clionautes sont aussi abonnés en tant que tels au Nouvel Obs. C'est une règle que j'applique toujours quand on a un interlocuteur journaliste. Les clionautes s'abonnent au support, c'est la moindre des choses. Mais les articles ne sont pas. C'est aussi l'ancien journaliste qui a travaillé pendant 10 ans en presse quotidienne régionale à Midi Libre qui vous parle. Le partage des ressources le jour même où elles sont publiées, du point de vue de la déontologie, on en parlait tout à l'heure de la presse, ne me paraît pas très cohérent. Il faut bien que les enseignants comprennent que la presse, ça a un prix et que le prix de l'information, c'est aussi le prix de la liberté d'informer. Si la liberté d'informer ne passait que par des plateformes générant du profit comme Facebook ou Google, je crois que nous n'aurions pas des journalistes de la trempe de Jean-Baptiste pour aller sur le terrain. C'est ça la réalité des choses aussi, et j'aimerais que mes camarades enseignants, les professeurs, plutôt que de chouiner sur le thème, ah ben c'est un article payant, fassent effectivement l'effort pour quelques euros d'un abonnement, même si on peut le suspendre après. Il y a suffisamment d'offres dans la presse écrite pour justement permettre aussi de faire vivre les supports de presse que l'on peut par ailleurs critiquer. Les clionautes sont abonnés à 6 ou 7 organes de presse, et c'est aussi les cotisations des adhérents qui permettent évidemment de mettre à disposition certains articles dans ce domaine de façon modérée, avec évidemment quelques règles déontologiques. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il faut remercier évidemment Jean-Baptiste, mais aussi remercier Evelyne Beau, donc femme de pouvoir avec des initiales prestigieuses, pour son assistance et pour son efficacité, pour sa disponibilité. Vous remercier à tous d'être là. Vous remarquerez que cette visioconférence n'a pas eu d'incident technique, malgré les problèmes de satellite et de connexion de Jean-Baptiste. Contrairement aux connexions que l'institution Éducation nationale a offertes aux enseignants à propos des évaluations, enfin des consignes pour la notation du bac, vous n'avez pas Starlif, vous avez Zoom. C'est payant, c'est privé, mais ça marche. Starlif, c'est gratuit, ça marche pas, et vous avez un Gugus qui est un porte-valise de l'inspection qui vous lit un diaporama avec des interférences toutes les 30 secondes. Vous voyez quand même que nous sommes capables de faire mieux. Je suis volontairement offensif,
Mais je crois que bon, par les temps qui courent, il faut être capable de dire, ben non, ces réunions inutiles, qu'elles soient en visio ou en présentiel, on peut s'en dispenser. De toute façon, elles ne servent à rien puisqu'on vous envoie les consignes en PDF à la fin. Ça, c'était mon coup de gueule du soir. Mais Jean-Baptiste, évidemment, ça l'amuse. Il a remarqué que je n'ai pas perdu mon franc-parler depuis 35 ans. C'était déjà le cas il y a plusieurs décennies. En tout cas, vraiment, merci pour ta disponibilité. Mille fois merci. Bon vent à ton ouvrage et puis bon vent à tous tes projets, quels qu'ils soient. Je suis sûr que ça sera extrêmement riche et qu'on entendra encore parler de toi dans la galaxie des clionautes. Merci et bonsoir à tous. Au revoir. Bon, bah écoute, merci Jean-Baptiste. De rien, je suis désolé, mais là, j'ai... Bonsoir. Ça finit pas. Là, par exemple, je suis bloqué, moi. Je peux plus rien faire. Voilà. Bon. Ben, tu as pas entendu mes critiques offensives sur l'éducation nationale. De toute façon, tu t'en fous un peu. Bah. Par contre, j'espère que tu as entendu mes chaleureux remerciements et tous mes encouragements pour ton nouvel ouvrage, pour ton nouveau bébé. Mais je suis sûr que tu as encore pas mal de choses sous le coude et on pourra encore apprécier ta plume. Il faut lire Jean-Baptiste Naudé. Ouais. Comme journaliste, je crois que ça tient quand même sacrément la route. Je te remercie. Voilà, voilà. Allez, jeunes Voilà. gens. Et ben, à bientôt alors. À bientôt, Jean-Baptiste. Au revoir, mon. Je vous embrasse tous. Portez-vous bien. Evelyne, tu as l'enregistrement, bien entendu. Ouais. Tu le sauvegardes Ok, ça et puis marche. tu l'envoies par un système de gros fichiers. Ça sera monté et assemblé. Ok, nickel. Allez, s'il n'y a personne qui veut dire quelque chose, Non, a priori, c'est bon. eh ben portez-vous bien. Je vous Bonsoir à embrasse. tous. Allez, bonsoir à tous. Tu peux couper, Ça marche. Evelyne, c'est toi qui...